Pour préparer cette soupe surprise pour 6 personnes, vous allez avoir besoin d'une grande carotte ou deux petites, un poireau, un céleri, un morceau de chou, un cube de bouillon de poulet, un cube de bouillon de légumes, 1,5 litre d'eau, un œuf et deux pâtes feuilletées. Préchauffez le four à 190 degrés. Dans une casserole, portez l'eau à ébullition. Pendant ce temps, épluchez et coupez tous les légumes en julienne. Ajoutez les deux cubes de bouillon dans l'eau bouillante. Incorporez les légumes. Mélangez et couvrir. Cuire de 15 à 20 minutes à feu moyen. Versez la soupe dans les bols et les laissez refroidir. Prendre un bol un peu plus grand que ceux que vous avez utilisés et découpez la pâte feuilletée en forme de cercle avec l'aide du bol. Séparez le blanc du jaune d'œuf. Étalez un peu de blanc d'œuf sur le bord des bols de soupe. Ensuite, recouvrir les bols avec la pâte feuilletée et la badigeonner de jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Enfournez environ 25 minutes à 190 degrés. Une magnifique entrée chaude qui réchauffera le cœur de vos convives. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette.